Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Nous sommes toujours sur Subanus A3, nous allons tenter de récupérer différentes ressources sur cette planète via le farm terrestre, vous savez, qui rapporte maintenant un peu plus de composants par... plusieurs composants par matériaux récupérés, tout simplement, ce qui me semble logique. Mais bon. On va quand même essayer, parce qu'apparemment, du coup, on a du mal à trouver les matériaux en question. Aïe. Ça fait mal à la carrosserie. Ok. Progression. Progressons, pardon. Alors ça, la dernière fois, c'était des drones. Donc ça m'intrigue un peu de devoir... Je sais plus sur quoi j'ai mis le... J'ai mis la poussée. J'ai trouvé. Je suis pas content de l'avoir mis là, cela dit. C'est pas grave. Je préfère aller dans les endroits où il n'y a rien, parce que selon moi, les endroits où il n'y a rien, c'est là où on peut trouver des choses les plus rares. ça peut paraître un peu stupide comme ça, mais non. Voilà, j'ai réussi à amortir légèrement. Oh, il y a un bruit de craquement, j'ai l'impression d'être sur la glace des fois. Bon, allez. Petit tour de con. Non, rien du tout. Que dalle, nada. Vachement rocailleux dans le coin. Enfin, vachement chaotique plutôt. Disons. Hop. Ok. Faut que je me sorte de cette région. Ah, j'avais oublié ce détail. Ah, cette région est pas bonne pour moi. Clairement. Clairement, je suis plus du tout au bon endroit. Il faut que je me sorte de là. J'ai trop en chier pour trouver le petit compo que je cherche. Ok, c'est bon. C'est toujours bon. Que dalle en son là-dedans. Bah putain, c'est dégueulasse. Je me suis fait avoir, c'est pas possible. Y'a rien à cette planète. À part de la chonderie de bronzite, y'a pas grand-chose, j'ai l'impression. C'est un peu la déception. Ah, attendez. Des choses différentes là à gauche. Écoutons. C'est là que je vais. C'est traître. Je l'avais dit que ça pouvait se planquer dedans. Vous voyez, il y a une petite zone différente qui se planque dedans. Ah là là, faut pas la perdre, Marcus. Tu te concentres, tu ne la perds pas. Elle doit être juste là en plus. Doucement, pas besoin d'aller trop vite, te casse pas ton vaisseau. Qu'est-ce que... What? Question.
Ah non, non, c'est juste un bug de texture. Le jeu me dit... Voilà, regardez, regardez, ça... Oula. Oula, calme-toi le jeu, calme-toi. Ça explique pourquoi l'angle est aussi carré à cet endroit précis. Ok, par contre, faut pas que je l'ai perdu de vue. Non? Non, c'est bon, elle est là. C'est quoi? De la mésosidérite. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Phosphore, carbone et... Merde. Vanadium. Rien qui nous intéresse, malheureusement. Comme vous pouvez le voir, il y a un gros problème de texture sur cette planète. Hein. Enfin, même pas sur cette planète, c'est dans la zone. Regardez, regardez les angles des montagnes à gauche. Voyez ? Là, je suis dans l'antre de Satan, si je puis dire. Il y a un gros problème de texture ici. Ou alors c'est des aliens qui sont passés par là, mais c'est pas possible. Enfin, pas dans cette région, je pense pas. Pourtant, il y a un drôle de bruit. Allez, soyons fous, je vais aller par là. Je suis dans une zone buggée. Ce qui fait que je peux pas me fier à la forme du terrain que je vois. C'est triste quand même, hein, d'en arriver là. Regardez, vous avez vu? Dans une zone complètement buggée d'une planète. Ça m'était pas encore arrivé, mais là, pour le coup, c'est un peu dégueulasse. Hein. Mais ça se voit aux formes, hein. Regardez les formes de la planète. Donc à mon avis, j'ai dû passer dans la zone qui était pas complètement faite, vous savez, qui était plus claire. Ou l'inverse, dans l'autre zone. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, je suis retenu. Non, je croyais que j'étais sur le sol. Mais non, là on peut voir encore que les angles sont beaucoup trop violents. Ok. Bon. On va faire 100, c'est pas grave. En tout cas, on va essayer. Faut écouter les bruits, faut qu'on écoute les bruits. Bon, là, on va pas trouver grand chose dans ce coin-là. Autant le dire, on va pas trouver grand chose. On pourrait. Un truc à droite. Je suis curieux de voir ce que c'est. Allons-y. Ok, on a réussi à s'attraper. C'est pas si mal. Ok, on a pris quelques dégâts. Un bruit de drone ou pas? Ouais, ça fait un bruit de drone. M'intéresse pas. Mais bon, on trouve pas grand chose. Je suis assez déçu. Soyons honnêtes, je suis assez déçu. En plus, ça me nique les yeux pour une raison que j'ignore. On va aller par là, tant pis. Pour l'instant, cette chasse n'est pas fructueuse. Pas fructueuse du tout. Des cailloux noirs là-bas. Putain, je veux toujours booster avec ce truc-là, mais c'est pas ce bon bouton. Ah! Oh. Ok, il m'était dit qu'il pourrait grimper dessus. Ok. Ah bah non, c'est pas, ça va pas être ce caillou là, ça va être un caillou par là, du coup. Ok, là, d'accord. Ok, j'aurais jamais deviné que c'en était un. Soufre vanadium, ok, je sais pas c'est quoi le dernier. Mais dis pas qu'il y en a que deux. Soufre. Et soufre. Ok, génial, merci. Ah, attendez. Vanadium.
Ok, donc 3 soufre et 1 vanadium. Ah putain. Et du fer. C'est bon, j'ai tout récupéré. Wouhou! C'est la fête du slip. C'est pas ce qui m'intéresse. Ces signaux-là sont pas ceux qui m'intéressent. Ce qui m'emmerde d'ailleurs assez. Wouah! Texture, où es-tu? Tu m'inquiètes, texture. Oh là là, regardez, regardez, on y est. On est sur l'endroit où on devrait pas être. Là où la texture fonctionne à droite et où elle n'existe plus à gauche. C'est quand même bien dommage, hein. Mais qui croyait que c'était un problème d'ombre finalement, bah ce n'est pas un problème d'ombre. Ça m'aide pas. Je suis obligé d'aller là-dedans, quoi. Oh là 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 là. On voit des choses, chers amis. On voit des choses qu'on ne devrait pas voir. Ça me plaît pas. Sumanus est buggé. Là, je sais même pas si je peux accélérer parce que ça semble plat, mais c'est pas plat du tout, vous voyez. Vous voyez par vous-même. Oh là là. Non, me montre pas ça, s'il te plaît. J'étais gentil. Wow. Ah bah oui, vous la voyez? Ouais, moi aussi. Du fer. Merde, est-ce que je vais pouvoir la choper? Oui, je peux le choper. Peut-être gagner du temps comme ça, finalement. Du fer encore. Pas de bol. Faire encore de la molybdène ou du molybdène, élément rare, cool, 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 cool. Finalement, c'est pas plus mal. Et donc, juste à côté, il y en a encore une. Oui, si, élément très commun, le fer. Dieu merci d'ailleurs. Ah, je me suis arrêté juste devant. Ah non, c'est parce qu'il y a le... Il y a le putain de... Oh, chier. Phosphore, fer. Et encore du fer. C'est pas saoulant du tout. On va aller par là. Oh là, non, on va aller à gauche. Ah ah! Il est possible. Écoutons le son. Ah, le bruit est pas aussi métallique que ce que je cherche. On va y aller. Ah, j'ai pas envie d'y aller dans ce endroit-là. Merde! Ça sera le making-of de la construction des planètes, hein, on peut le voir. Ah là 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 là. Je suis désolé, j'ai super mal à aller gauche. Ouah, j'en pleure. Ah, des cailloux! Mais du coup, je sais pas à quelle hauteur je suis dans. Ah, je sais pas si je dois les esquiver ou pas. Voilà, je sais même pas non plus quand est-ce que je tombe, quand est-ce que je tombe pas. Là, je tombais, là, apparemment, là. Ça va être coton pour se garer avec le vaisseau là-dedans aussi. Oh, comment je vais faire pour monter dans le vaisseau? Aïe, vous voyez, là, je pensais pas que ce caillou serait violent. Oula. J'ai peur de plonger un jour définitivement dans le centre de la planète. Voyage au centre de la Terre. Alors, on devrait pas tarder à la voir. Je sais pas si je peux rouler dessus, apparemment oui. Où est-elle? Où est-elle? Wow.
Putain, j'ai peur de passer à côté. Wow, la voilà. Affleurement. Merde. Vanadium, phosphore, bah. Oh là 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 là. C'était pas le bon. Faut que ce soit un poil plus serré. Carbone. Phosphore. Phosphore. L'avantage, c'est que si j'ai besoin d'autre chose pour monter les levels, bah, y a pas de soucis, je les aurai. Hop. Du coup, faisons des ronds. Rien d'intéressant. Ok, bon, on va par là alors. Direction les montagnes. Oula, calme-toi. Au-delà des montagnes embrumées, il y a plein de cailloux. C'est pas par là que je devrais passer. Oh, je suis désolé, ça me nique l'œil gauche. Waouh, c'est violent. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. C'est la texture. La texture me fait très 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 mal aux yeux, c'est ça sans doute. Non, faut, oh là, pardon, faut pas dire de conneries non plus, mais c'est vrai que c'est assez moche du coup pour un jeu qui se permet de faire payer ses joueurs aussi fort à chaque bêta ou chaque saison ou chaque année, si je puis dire, parce que potentiellement il va y avoir une nouvelle saison de comment, Daily Dangerous, hein. Une saison 3. C'est celui-là. Hop. Nickel, nickel, nickel. Ok, bon bah. Hop, j'ai pris les deux. Vanadium, nickel, ok. Rien d'intéressant. Molybdène, ça c'est déjà beaucoup plus intéressant. Je pensais que j'allais avoir du mal à la trouver. Finalement, il n'y a que le tungstène que je trouve pas. Et il me semble que c'est un matériau rare, donc ça ne m'étonne pas plus que ça finalement. J'en ai pas trouvé du tout, hein, cela dit. Alors. Où est ce caillou? Où est ce caillou? Là voilà. Non, c'est pas celui-là? Si, c'est ça normalement. C'est pas ça? Ok. C'est pas ça. Bon bah d'accord. Ok, apparemment je suis passé juste à côté. En même temps, ils sont tellement visibles. Apparemment, il y a beaucoup de carbone aussi, tiens. Hop! Sélénium. Pourquoi pas? Ok, rien de véritablement intéressant dans celle-ci non plus. Ce qui m'emmerde assez, je dois bien l'admettre. Aller par là. Oh là là, putain. Oh, j'ai peur de plonger. J'ai peur de plonger un jour, chers amis. Je suis désolé. Ça m'inquiète. C'est terrible, c'est affreux. Ça a l'air sympa ce qu'il y a devant. Ça a l'air drôlement sympa ce qu'il y a devant. Je vais dans cette direction. Je vais pas plus vite parce que sinon on risque de casser tout, mais. Ça a l'air drôlement sympa. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Remonte, remonte. Merci. On verra que je touche pas du tout à la commande des gaz et il accélère et il freine et il accélère tout le temps quoi.
Hop. Faudrait pas passer à côté. S'il vous plaît, là c'est bon. Ok. Tungstène, on en a trouvé. Finalement. Tellure, élément très rare. Vanadium. Ok. Donc, nous sommes à combien en termes de composants? Inventaire, matériaux, tungstène. Il faut que je regarde tungstène, zinc et molybdène. Molybdène, ça va être, ça aurait dû être là normalement. Bon. Oh là, pardon. Zinc, zinc, zinc. Bah zinc alors, il est où? Ok. Vous êtes pas rassurant du tout. Élément. Molybdène, j'en ai 6, c'est parfait. Tungstène, j'en ai que 3, il m'en faudrait un de plus. Le zinc, j'en ai que 3, il m'en faudrait un de plus. Ok, voilà qui répond à la question. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, c'est pas le bon signal, malheureusement. Pendant, je peux peut-être me diriger par là, puis après voir ce que je peux trouver d'autre. Allons-y. Ah, il est incroyablement incontrôlable. Ok. En plus, le fait qu'on voit pas, qu'on n'ait pas du tout le vrai terrain au sol. Ah, peut-être que c'est mieux là, du coup. C'est peut-être mieux un petit peu là. À cet endroit-ci. Mais sinon, en règle générale, c'est pas top. Ça n'aide pas, on va dire. Ah non, c'est pas mieux. Bouh, le jeu, t'es moche, le jeu. Oh là 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 là. Oh, punaise. Je sens que ça va encore être coton, cette histoire. Comme dirait Julien Lepers, à que je l'aime, ce jeu. Rip ta carrière au passage. Alors. Ok, on va aller par là. Apparemment, ça monte ici. Qui l'eût cru? Luste cru. Ah, faut aller un peu plus à droite, ça dit. Ok. J'ai peur de tomber d'un seul coup. Ça peut paraître stupide. Mais ça me fout vraiment les boules. Faire pouf! Le centre de la Terre, tu l'as déjà vu? Bah tiens, le voilà. On s'en approche, donc je freine un peu. Ah bah tiens, en parlant du centre de la Terre... Du zinc, génial. Du fer, moins bien. Je l'ai en quantité assez intéressante déjà le fer. Du vanadium, pourquoi pas. Du tungstène supplémentaire, cool. Ah bah c'est tout ce qu'on avait besoin. Il me semble, de mémoire, on peut appeler le vaisseau là. Pourquoi pas. Voilà. Alors, je sais pas où est-ce qu'il va se garer. Oh là 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 là. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on se moque pas. On va attendre qu'il vienne déjà. Et ensuite on va se moquer. Hop. Bug et récolte. S'il veut bien venir. Ah c'est, il veut bien venir. Ok, on va essayer d'aller le chercher. Hop. Oups, par là. Apparemment il est dans le coin. Ah oui, il se pose. C'est bon. Ok.
question c'est de savoir comment il va se poser. Hop. Et est-ce qu'il va se poser? Il vient de sortir du train d'atterrissage, donc apparemment oui. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok, c'est bon. Phew! Embarqué, voilà. Pouah! Le calvaire! Oh, ça m'a niqué les yeux tellement. Le calvaire. Le calvaire incroyable. Pouah! Oui, je décolle. Mais d'abord, on va programmer l'itinéraire de vol, ça te dérange pas. J'aimerais aller à Euribia. Voilà, et normalement, à Euribia, voilà, il y a une certaine ingénieuse. Ingénieur, j'ai jamais su si c'était ingénieur ou ingénieuse. Pardon. Qui, normalement... non, là, c'est encore planté de... Voilà. Cette interface. Ok, j'ai pas les trucs, donc je peux pas la sélectionner, ça me semble logique. Quand est-ce qu'ils vont mettre le bouton tous ou rien? Tout effacer ou tout remettre. On sait pas. Il est déjà mis sur d'autres trucs, mais pas sur celui-là. Ok. Ok. Et voilà. Demolition Unlimited. On y va. Autant pour moi, chers amis, nous allons faire un détour par autre part avant. J'ai un vaisseau à récupérer d'abord à Mitra, si vous vous en souvenez. Crac. Et enfin, nous n'avons plus qu'à nous poser pour changer de vaisseau et récupérer notre FAS amélioré, ou à améliorer, ou en cours d'amélioration, vous le voyez comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, il ne nous restera plus d'armes potentiellement à bouger. J'ai entendu votre appel, donc comme je l'ai déjà dit, au niveau du laser. Je ne sais pas si je vais le laisser comme ça ou pas. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas trop envie de le changer, compte tenu du fait que nous ayons... le 11 est là, hop. Que nous ayons déjà perdu beaucoup de temps, je trouve, dans cette série à améliorer ce FAS. J'attends cependant, si vous avez des infos sur le Dolphin, si vous en avez, n'hésitez pas à aller dire ce que vous en pensez. Chers amis, je serais ravi d'avoir votre avis, mais on peut toujours en discuter, en plus, à travers les vidéos. Donc voilà, bah, encore une fois, n'hésitez pas à pouce-vériser cette vidéo et cette série, tout ce que vous voulez, autour de la chaîne. Vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi, en tout cas, je vous retrouverai donc dans le prochain épisode et on fera une petite intro dans le FAS que j'aurai récupéré. Et on partira ensuite à Euribia voir notre ingénieur pour améliorer nos deux lance-missiles. Voilà. Salut les gens !